Bonjour à tous et à toutes, je suis Régis et bienvenue pour la suite de Neverwinter Nights. Alors la dernière fois j'ai essayé de résumer assez rapidement, donc c'est dans mes quêtes finies. Premièrement, j'ai récupéré un saphir étoilé que j'ai dû remettre à un personnage que je n'avais jamais vu, ça c'est bon. Ensuite, la tribu des élans, j'ai redonné l'attrape-rêve à quelqu'un qui était vers le puits de Beoruma. Je crois que c'est ça. Et donc j'ai obtenu la récompense. Donc ça c'est bon. Mais, il y a un truc qui était important. C'était de récupérer la boule de neige qui a été volée à l'archéologue que nous irons voir dans quelques instants. Du magicien Nax. Sauf qu'il était tout au nord. C'est donc là où je suis allé. Et il avait un grand palais ou grotte ou que sais-je. Qui était rempli de plusieurs élémentaires et s'est fait prisonnier. Je ne sais plus comment, mais il s'est fait prisonnier et nous avons dû invoquer un élémentaire d'air qui nous a octroyé un souhait. Et donc nous avons souhaité la libération de Nax, ce qui m'a permis d'avoir 3 points vers le bon, car j'essaie de jouer en bon, en réfléchissant à mes actes. Et donc nous allons pouvoir partir vers ce qui semblerait être. C'est quoi ça? D'accord. Très bien, bah, je sais pas. J'ai pas une. Mais si, j'ai une tête. Ah, ça y est, ils sont en train de me perdre. Alors, ça, c'est tout mon bordel. Normalement, là, j'ai. Non, alors. Ça, je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi cette grande hache et cette dague, je ne peux pas la vendre. Le jeu fait des blagues. Non, c'est bon. Donc, c'est une quête, là, qui reste en suspens. Guzude. Je sais pas qui c'est. Mais surtout, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Bon, cette quête-là, si je la fais pas grave. Le même pouvoir, compagnon d'armes, ça, tout ça, c'est lié. Nous avons donc eu le globe de neige qui était donc transporté par magie dans la taverne. Et nous allons, pendant qu'il boit, tranquillement, voir cette boule de neige qui, a priori, semble contenir des êtres vivants par une quelconque magie magique. Auberge. Auberge, c'est derrière. Et il semblerait donc que ce soit le dernier endroit avant la fin du chapitre 3. À moins qu'il me garde une quête comme pour le chapitre 1, il me met un chapitre 3 final. Ce qui serait tout à fait sympathique de leur part. Mais bon. N'en attendons pas trop. Voilà, donc c'était ça. C'était Lilycum Bridge. Et, voilà, donc elle. Vous êtes ivre. Dans ma chambre en haut, deuxième porte à droite. Voilà. Donc il faut toucher la bouboule. Là, il y a complètement un mort qui est en train de cuver. Alors, escalier vers le haut. Oh mon dieu, il y a un combattant. Bon vent à vous. Ouais. Toi, tu m'as dit bon vent. Très bien. Alors, les chambres. Alors, première, deuxième. Oh, il y a même un petit coup. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un bouclier. Un bouclier un peu moche et des étagères. Ah ah. Des livres intéressants. Waouh, ça je l'ai vu tellement de fois. Ça aussi d'ailleurs. Alors qu'elle s'emmerde pas, elle a pris une superbe petite chambre dans un petit couloir. Bon, personne me voit? Non, personne ne m'a jamais vu. Voilà. C'était pas la bonne porte, pourtant il m'a dit deuxième à droite. Mais. La musique qui s'est arrêtée tellement. C'est pas là non plus. C'est pas à gauche quand même, ce qui serait complètement con. Eh ben si. Ah ouais, ah oui d'accord, elle s'est pas pris la petite chambre de merde.
Elle s'est pris la bonne grosse chambre avec une petite cheminée, petite table, un peu de lecture et même des petits coffres que je vais voir. Un piédestal. Ah ah, c'est là, c'est ça. Alors, la boule à neige en piédestal, vous voyez une petite ferme bouger dans la bubble. Si je fais tourner le globe. La neige tombe. Un petit groupe de nains est attaqué par Adrien. Alors, mon Dieu, je ne vais pas toucher le club maintenant parce que je vais voler ses coffres. Bah oui, je suis un voleur. À la base, je suis un roublard. Donc, un voleur. Donc, j'évale. C'est complètement logique ce que je viens de dire. Un voleur, ça vale. Et donc, avant de toucher, petite sauvegarde. Et touchons la bouboule. Globe de neige. Oh yeah. Ouais, bonjour. Wow. Wow. C'est ça? Oui, puis-je quoi que ce soit pour vous? On va voir si Dalin est quoi. Il peut vraiment me donner. Je peux continuer. Non, je peux pas. De... Ah, ça me fait chier. Je peux pas continuer à quitter dedans. Bon, si je vais par là. Ouais. Ah mon Dieu, ce sont des méchants méchants! J'arrive, le nain! Tiens! 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 Meurs! Créature impie! Oh, 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 oh! Calme-toi! On n'est pas dans le même camp! Très bien, le nain! D'accord, très bien, je peux être un gros connard! Oud, Od, nord-ouest de cette région. Nord-ouest, nord-est. Immortel, comment? Donc là, on voit bien que les nains n'aiment pas que les elfes, ils n'aiment pas les dryades. Bon, bah. Bon. On va suivre sa quête, hein, nord-ouest. Je prends une petite boussole et on va monter. C'est une très belle boule à neige, hein. Ah mon Dieu, ah non! Non, c'est pas gentil d'être méchant. Salut les nains. Ok, donc c'est des nains copier-coller. Ce sont des nains. Ce sont des copies nains. Ah mon Dieu, encore des méchants méchants. Ah non. Juste. Ah! Ces amoureux des arbres sont fous! Ils refusent d'entendre raison! Ouais, moi aussi je veux te parler. Alors. Je me nomme Hoth, chef de ce clan de nains. On ne voit pas souvent votre race dans les environs. Mais au moins, vous ne nous attaquez pas à vue comme ces dryades à la noix. Gros doubleur. Oui, les dryades. Comment? Ah bon, ils savent qu'ils sont dans une boule à neige. Bon, bah... Ok. Ah, c'est le maître.
Alors par contre, je vais aller par là. Je vais aller faire le tour. Je sais qu'il faut aller là. Mais par souci de cartographie, hein, c'est super important. Et ben, je vais aller par là. Bon, je vais tuer des dryades. Oui. Mais j'ai qu'à dire qu'elles étaient sous l'influence maléfique d'une entité supérieure. Voilà, ça, mais ça marche très bien. Je ne le permettrai pas. Ah merde. Attendez, je suis pas du bon côté. Non mais quand tu dis oui, j'ai tué, mais il était sous l'influence de quelqu'un, donc j'avais le droit. Non, en fait, tu peux pas avoir le... Oh, des petites blouilles. Mesdames, bonjour. Enfin, dame. Bon, mais... Créature impie. Ah merde, mais qu'est-ce que c'est que ces bassins? Mesdames, mesdames, je voudrais parler, voilà. Auriez-vous vu quelque part dans ces bois une personne avec une tablette? Une tablette avec une langue. Oh d'accord. Ah d'accord. Qu'est-ce qu'il faut que je bute? Là, cette chose. Non. Non, d'accord. Repli stratégique, Dalin, repli stratégique. Dalin, repli, Dalin, repli, Dalin, repli, Dalin, repli. Replie-toi, sac à merde. Du coup, en fait, c'est... Non, en fait, c'est même pas... Dalin, repli stratégique. Nous ne pouvons pas les battre. En effet, il y a quelque chose ici qu'il faut revenir. Ah, j'ai l'œil, moi, j'ai l'œil, j'ai le bon. Donc en effet, quelque chose ne va pas. Et c'est là où je viens. Donc j'ai fait le tour complet. Donc il semble... Oh, c'est quoi ça? Je peux rentrer chez moi? Je peux complètement rentrer chez moi et laisser les nains se démerder. Mais par politesse, hein. Parce que je ne suis... Je veux toucher la boule. Ouais, je vais rentrer dans le globe. Par politesse et parce que mon alignement le veut bien, je vais aider ces personnes. Voilà, je suis magnanime. Putain, elles ont repop. Ah ouais, c'est donc ça. Ouais, non, démerdez-nous. Ouais, non, on va pas. Ouais, Dalin. Voilà. Donc, elles repop. Très bien. Comme si j'avais besoin de ça. Bon, au moins, maintenant, il y a deux nains par... Alors, par contre, du 3 d'XP par décès, c'est peu. Je tiens à le souligner. Donc, Oud, il me dit, ah là là, il y a un méchant, méchant. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oh, qu'est-ce que c'est? Ça brille. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi, ça brille? D'accord, donc je suis... Ah, mais j'avais pas vu la grotte. Eh, j'avais pas vu, lol. Je suis passé devant comme un idiot. Ah, le... J'avais pas vu MDR. Non, si, j'ai une épée. J'ai l'impression qu'il courait sans épée. Donc là, il y a une grotte. Donc... Donc, il y a un microcosme dans ce... Dans cette boule de neige, mais en plus, il y a une grotte. Remarque, ça se tient. Mais alors, la grotte doit pas être énorme. Caverne du globe à neige. Ah, j'aime pas ce bruit. Bon, une grotte, salle unique. Oh, oh, qu'est-ce que c'est que cela? Il s'agit d'un journal de Hod, chef des nains du globe de neige. La dernière entrée est particulièrement intéressante. Les Dryades nous ont de nouveau attaqué avec leur magie impie. Le combat fut sanglant, mais nous avons fini par labousser ces folles des arbres. Combien de fois suis-je mort dans cette bataille pour revenir à la vie et mourir à nouveau? Cela a-t-il encore sens? La guerre, la mort, la renaissance, le cycle est sans fin. Dans mes rêves, je vois un autre monde. Je vois les nains et les Dryades côte à côte, alliés contre un ennemi terrible pour échapper à leur existence inutile. Et je me souviens des murmures d'un puissant talisman servant à libérer les nains contre les Dryades. L'amulette des âges.
Est-ce un souvenir d'un temps oublié ou un espoir pour l'avenir? Seulement Théâtre voulait entendre notre voix de la raison. Mais elles sont folles, nous attaquent à vue. La lutte ne cessera jamais. Et nous sommes condamnés à supporter cette existence inutile. Alors, je n'arrive pas à faire une vraie voix de nain. Ceci est le journal d'Arwill, chef des dryades de la boule à neige. La dernière entrée est particulièrement intéressante. Les nains nous ont à nouveau attaqués. Leur sauvagerie était terrifiante. Mais au moins, mes sœurs et moi avons pu les repousser. Combien de fois suis-je... Oh, wow. Alors, ça c'est un copier-coller. Ça c'est un copier-coller. Voilà. Mais leur soif de sang les rend fous. Ils nous attaquent à vue. Je crains que ce cycle horrible continue pour toujours. Et est-ce que cette existence brutale ne s'achève jamais? Tiens. Donc, quelqu'un ou quelque chose fait en sorte qu'il ouvre. Donc, quelqu'un ou quelque chose. Amulette des âges cassée. D'alors, nous sommes sur un bail de dragon. Tu es un peu manche. Vous n'êtes pas un de mes esclaves. Il est étrange pour moi de voir quelqu'un qui ne tremble pas de terreur en ma présence. Je trouve votre courage étonnant. Alors, pour ma défense, j'ai déjà rencontré 3 dragons avant toi. Voilà. Les visiteurs sont une grande curiosité dans mon monde. Aussi pardonnerai-je votre intrusion. Dites-moi, petite créature, que faites-vous dans mon domaine? Je cherche les mots de pouvoir. Mal. Ah, j'étais trop longtemps absent pour entendre, mais le mot de pouvoir, voilà quelque chose que je connais fort bien. Tiens donc! Fait un temps que je ralentis pour avoir osé mentionner le mot de pouvoir à ma présence, mais c'est que de solitude, c'est un terme, on sera glacé. Vous pouvez parler de ce mot de pouvoir si vous le désirez, mais sa magie est bien trop grande. Oui! Le mot fait partie d'une magie ancienne conçue pour les races créatrices, ça je sais. Ah, ça c'est intéressant. J'ai réussi à proposer la magie du mot pour le concevoir ce royaume, donnant à mes esclaves vie éteinte. Ah! La magie du mot alimente ce royaume ainsi que ma propre vie n'est jamais très loin de moi. Je ne vous en dirai pas plus. Le mot est à moi et vous n'aurez jamais. Et si je te le prends? Le sang de mes. Alors ça, je vais mourir. Alors attendez. Hop, je vais sauvegarder. Oui, j'en recherche un mot de pouvoir. Blablabla. Parlez-moi. LOL MDR! Voilà. Donc ça, voilà. C'était juste pour essayer. On est donc d'accord. Pour vaincre ce dragon. Que je ne vais pas vaincre tout seul. Mais... Non, je me fous de ta... Non, ta gueule. Je m'en balance. D'ailleurs, t'es un peu moche, t'as le dire, comparé à tes... Non. Alors, voilà. Ça, c'est un problème. C'est que la hitbox... pour parler à un dragon est beaucoup trop grande. On va explorer un petit peu cette caverne, hein, cette caverne de dragon, le petit dragonnet. Alors là, il y a un coffre que je vais m'empresser de ouvrir. Donc, il y a une amulette cassée. Cette amulette de ce que je... Une clé spécifique. Mais c'est une clé que le dragon a sur lui. Bien, donc mon plan va être assez simple. Ça va être de ramener en premier lieu l'entrée du journal au nain. Ensuite, si je me débrouille bien, je vais montrer l'amulette. Ce qui va se passer, c'est que je pourrais peut-être voir le chef des dryades, que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs, parce qu'il n'est mentionné juste nulle part. Et donc, le mot de pouvoir, par conséquent, qui a donné vie à ce royaume, donc... à la boule à neige serait basiquement la boule à neige, c'est à dire la boule à neige c'est ouais, tais-toi. Ouais. Que pensez-vous de cette amulette? Arbre et forge unis pour vaincre le maître. Tu peux la réparer?
Yay! Objet obtenu, épuisé. Mon clan connaît bien la magie, mais seulement celle du feu, de la forge, marteau. Ah! 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 Évidemment! Sinon, c'est pas drôle! Donc, là. Non, c'est pas là. Alors, attends, j'avais des notes. Oula, c'est vieux ça. Ah, il faut aller voir les dryades. Bon. On va essayer de faire en sorte qu'ils nous attaquent pas. S'il y a une strat pour pas les attaquer. Non, putain. Non. Je veux parler à votre chef. Ah, toi. Non. Je veux parler à votre chef. Mesdames, s'il vous plaît, je veux parler à votre chef. C'est ça, c'est ça. Oh, puis merde, hein. Cassez-vous. Non, mais cassez-vous. Laissez-moi passer. Ah, c'était un piège. Ouais, alors les samples multiples là, ça commence à m'énerver. Ah, vite, cassons-nous. Oui, cassons. Bon, Dana, tu vas me suivre de toute façon. Mesdames, je vais simplement parler à votre chef. Si votre chef existe. Bon, bah Dana, il est occupé là-bas. Alors, je suis un peu embêté. Parce que je ne sais pas où se trouve le chef. Non, ici, voilà. Arville. Alors, il est où et qui c'est? Oui, genre, en même temps, je suis en train de. Ah, peut-être que je lui ai pas parlé du journal. Peut-être que je suis trop con. Bon, d'ailleurs, il est toujours occupé. Bah, il fait sa vie, que voulez-vous? Peut-être ai-je zappé quelque chose, ce qui est, ma foi, le plus probable. Et ce serait un peu ennuyant. Non, oui. Qui vont suivre cette amulette. Je suis embêté. Bon, bah, je vais me reposer. Déjà, pour commencer.